Bon matin, mon coco. Bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un vlog vraiment spécial et différent. C'est le début de mon nouvel emploi. Donc, je commence officiellement aujourd'hui un poste comme coordonnatrice marketing. Fait que pour les premières semaines, ça va principalement être ma formation de ce qu'on m'a dit. Mais on va voir. Je vais en savoir beaucoup plus aujourd'hui. Fait que je pourrais vous tenir informée. Mais j'avais envie de vous amener avec moi pour les premières journées pour qu'on vive ça ensemble. Là, je me rends compte que j'ai du mascara qui coule en dessous des yeux pendant que je fais un beau petit speech. Fait que, on va fixer ça. Ah, puis, ouais, on va se préparer. Il est 7h30. Je travaille à 9h et puis, faut que je parte. Je vais essayer d'arriver comme vers moins 10, moins quart. Je vais partir probablement vers et demi, vers 8h30. C'est vraiment à 10 minutes de chez nous. Sauf qu'il y a un chemin par lequel il fait passer qui a toujours, toujours plein de trafic. Fait que j'ai pas envie d'être en retard la première journée. Fait que j'aime mieux arriver vraiment d'avance. Ça, c'est comme ça qu'on contrôle du stress de la première journée. Étonnamment, j'ai super, super bien dormi. My God, je comprends même pas. Peut-être que j'étais juste vraiment drainée, vraiment brûlée parce qu'hier, j'ai pas arrêté. Mais je m'attendais à comme moyennement bien dormir. Mais j'ai vraiment bien dormi. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment pluvieux, gloomy. C'est cozy comme petite journée, là. Fait que j'ai essayé de préparer mon outfit en conséquence. Je pourrais vous montrer ça tantôt. Donc, je vais me préparer rapidement et puis je vais vous parler. Après, je vais faire un petit maquillage vraiment léger. J'ai envie de rester naturelle, mais juste de mettre mes avantages à l'avant. Réveille-toi. Hier, j'ai préparé mon lunch comme je vous ai présenté dans le dernier vlog. Fait que je vais vous le remontrer au cas où vous n'avez pas vu le vlog d'hier. Fait que je l'ai mis dans un sac comme ça, pas réutilisable, mais un sac en plastique qui donne à l'épicerie pour les réutiliser justement parce que j'ai pas encore de boîte à lunch. Fait qu'éventuellement, quand je vais en trouver une qui me plaît, je vais me procurer ça. Mais pour le moment, ça va faire la job. Fait que je me suis fait un smoothie pour ce matin. J'ai vraiment pas faim le matin. Fait que je risque de le boire comme vraiment plus rendu là-bas. J'ai une petite compote de fruits, des goldfish, des petits biscuits dessert, du houmous, des petits légumes et fromage. Et finalement, un macaroni aux légumes, au fromage là-dedans. Je me suis mis une fourchette, une petite napkin. Je vais mettre ça dans mon beau sac du Winners. J'ai ma bouteille d'eau aussi. Ça, je pense que je vais la laisser dans ma sacoche pour la garder avec moi. Pas mal toutes mes affaires sont prêtes. Mon petit outfit, il ressemble à ça. Fait que j'ai décidé d'y aller avec quelque chose dans lequel j'étais confortable, mais que je trouvais... C'était le entre-deux de casual, mais pas trop, pour la première journée. En tout cas, là, fait que le temps de déterminer c'est quoi leur niveau de casual, puis de voir aussi qu'est-ce que les autres portent comme outfit, là. Fait qu'au moins, ça va pouvoir m'inspirer un petit peu puis pour les autres journées. Fait que j'ai décidé de mettre cette chemise-là que j'avais pris aux Ardennes, évidemment. Ces pantalons-là viennent du Urban Planet, mais il y en a partout. Il y en a au Dynamite, il y en a pour vrai vraiment partout. Puis d'autres souliers qui sont... c'est pas les plus beaux souliers, ok, on se mentira pas. J'en ai pas tant de beaux souliers comme ça. D'habitude, je porte genre des gogoons là, puis des petites sandales, mais c'est ça. C'est les plus confortables que j'avais. Fait que je me suis dit que pour la première journée, c'était parfait. J'ai mis mes bijoux réguliers, fait que mon petit collier, mes boucles d'oreilles. J'ai fait mes cheveux, comme vous avez vu, mon maquillage, quand même, presque comme je fais sur une base régulière. Fait que j'ai ma sacoche ici, dans laquelle j'ai mon agenda, puis, tu sais, genre des Advil, de la gomme, des affaires essentielles.
ma gourde que je vais mettre ici. Je pense que je vais faire réchauffer mon café. Là, il est 8h25. Je devrais partir dans vraiment pas long. Fait que je vais aller réchauffer mon café, en rajouter un petit peu pour la chance. Et puis, me brosser les dents. Puis, on va être pas mal prêt à partir. Je suis en train de travailler un petit peu. Profiter de chaque instant de. Chaque moment qu'on a de libre pour avancer d'autres petites choses. On se parle plus tard. Love you. Quoi? Oui, quand je vais pouvoir. Here we go! Fait que il est 8h35. Faut que je parte maintenant. Je vais arriver vers moins 10 à peu près avec le trafic. Oh, ok, là je commence à stresser un tantinet. Mais c'est ça, tu sais, au début, je. C'est sûr qu'au début, tu sais, je m'arrange plus, puis je mets un petit peu plus de temps dans toute ma préparation. Mais avec le temps, tu sais, je vais me pogner une routine aussi. Puis ça va finir par, tu sais, être relativement facile et rapide le matin. Fait que je me fie là-dessus. En espérant que. Oh my god! Fait que je suis quand même excitée. J'ai hâte. C'est tellement. Tu sais, c'est un changement dans ma vie. Mettons en ce moment dans cette période-ci, mais ça change tellement de choses. J'ai jamais eu d'emploi à temps plein. J'ai toujours géré mes semaines comme je pouvais puis comme je voulais aussi. Fait que c'est sûr que ça va être une très grosse période d'adaptation pour moi. Ça va être quand même assez spécial de justement, tu sais, pas pouvoir avoir. C'est de moments au gym en plein milieu de la journée quand je sens que j'ai un petit peu moins de motivation, ce genre de choses-là. Je suis excitée d'apprendre des nouvelles choses puis de découvrir des nouveaux aspects que je connais pas nécessairement. C'est sûr, j'ai full hâte de voir l'équipe avec qui je travaille, de connaître les autres personnes. Fait que, ouais, j'ai hâte de trouver comme une routine, là, je vais me laisser le temps, là, mais j'ai hâte de trouver, tu sais, ma petite routine, puis... Ouais, fait que c'est ça. J'étais pas tant stressée jusqu'à date, ça se passait quand même bien, mais là, j'avais comme mal planifié mon temps, puis ça, c'était pas super bright, là. Fait que c'est ça, je vais espérer de pas pogner plus de trafic que ça dit. Mais, tu sais, je m'étais mis comme un 15 minutes de délai, justement, pour arriver d'avance. Fait que je me dis, dans le pire des cas, tu sais, je vais arriver comme à moins 5 ou à moins 10, là. Je sais pas si c'est si grave que ça, j'espère que non. Moi qui aime tout le temps ça être genre 15-20 minutes d'avance, là, mais bon. Ça m'apprendra pour les autres journées. Regarde, on en apprend chaque jour, hein? Hello! J'ai l'impression que vous pouvez voir ma détérioration de la journée. Mes cheveux étaient genre full beau ce matin, super plat. Puis il pleut à Sio. Fait que le temps que je marche qu'à mon auto, c'est pas facile. La journée est terminée. Il est 5h10. Oh, le stress de la première journée est enfin passé. Je suis tellement contente. J'ai tellement passé une belle journée. C'était vraiment cool. Dans le fond, c'est ça, je suis arrivée, je vais vous faire un petit brief de la journée, là. Je suis arrivée, j'ai eu de la misère à trouver un stationnement, oh my god, je stressais un peu, là. Finalement, j'étais parquée comme à genre 5 minutes de marche, c'était pas si pire, là. Mais tu sais, il n'y a pas de stationnement employé proche, fait que il y a comme un centre d'achat abandonné, pas trop loin. Fait que là, après ça, quand je suis rentrée, ben ils m'ont dit que je pouvais me stationner là si jamais je voulais. Puis qu'ils remorquaient jamais personne, là. Fait que si je trouve pas de stationnement dans la rue, bien entendu. Parce que pour cet hiver, ça va être tricky sinon. Je vais... Ouais, c'est ça, tu sais, avec les gros bancs de neige sur les côtés des rues et tout, là. Fait que bref, c'est ça. Là, j'étais arrivée là-bas, il y avait presque personne. Je pense que j'étais comme la troisième d'arrivée, là, même pas. Fait que c'est ça, il y avait presque personne d'arrivée. Fait que c'était quand même moins pire, tu sais, comme accueil, là. C'était pas, ok, tu rentres, puis tout le monde, tu sais, salue un après l'autre. Ça m'a laissé le temps un petit peu de, tu sais, vraiment de parler un petit peu avec chaque personne. Fait que c'était super cool. L'équipe est vraiment jeune. Dans le fond, comment c'est fait, c'est une agence, là. Puis, fait qu'il y a plein de clients, plein de projets différents. Donc, il y a au rez-de-chaussée tout ce qui est comme directeur général, tu sais, les directeurs, là, tous les mondes qui ont des plus hauts postes. Et en haut, ben, c'est les autres. Mais moi, je fais partie des autres. Mais non, pour vrai, c'est ceux qui s'occupent justement des projets externes. Fait que projet marketing, programmation, puis ce genre de shopping graphisme.
graphiste. La majorité de ces personnes-là se retrouvent en haut. Fait que c'est comme un grand bureau à air ouvert. On a chacun nos bureaux, mais c'est ça, c'est comme on est tous dans une même pièce. Il y a une salle de conférence aussi qui est l'endroit où on a dîné. Parce que d'habitude, ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il y a une genre de petite terrasse extérieure. Sauf que là, c'est ça, comme je disais, aujourd'hui, il pleuvait. Fait qu'on n'a pas été manger là ce midi, mais c'est ça. Fait que j'étais arrivée à 9h. À midi, on prenait notre dîner, comme d'habitude, là, jusqu'à 1h. Puis après ça, à 1h, 1 à 5, on travaillait sur des projets. Fait que là, ce matin, c'était vraiment plus de suivre les filles qui me montrent. Je travaille avec deux autres filles marketing. Fait que tu sais, qui me montrent les différents logiciels parce qu'ils utilisent beaucoup de logiciels que j'utilise pas, que j'ai jamais utilisé. Là. Fait que c'est tout nouveau pour moi. Fait que tu sais, ils me montraient différentes choses comme ça. Ce qui était vraiment cool aussi, puis je pense qu'il a fait en sorte que la journée a passé quand même vraiment vite, c'est le fait. Oh, j'ai peur que vous tombiez. C'est le fait que ce matin, je pense à 10h, eux autres avaient un meeting avec un de leurs clients, puis ils m'ont dit, tu sais, on aimerait ça que tu te joignes à nous parce que de toute façon, tu vas finir par travailler sur le projet avec nous. On va avoir, oui, des projets comme individuels, chacun nos projets attitrés, mais principalement, on travaille des projets les trois ensemble, ce qui est vraiment cool. Je suis une fille d'équipe, là, j'adore ça, travailler en équipe. Je trouve qu'on reçoit tellement plus de bonnes idées dans ce temps-là qu'à travailler seule dans nos idées. Fait que ça, j'étais bien excitée. Fait que c'est ça. On a eu un meeting avec leurs clients. Et puis, c'était censé durer genre 30 minutes. Finalement, ça a duré comme 1h20. Ça a vraiment duré longtemps. Fait que ça a fait que la matinée, pour vrai, elle a passé de même. Il y a eu deux autres appels en après-midi. Puis, mis à part ça, ben là, c'est ça, j'ai appris un petit peu en brief, là, t'sais, les différents programmes, comme je dis, qu'ils utilisent. La seule chose, c'est sûr que moi, j'ai besoin d'utiliser ces affaires-là pour les apprendre. T'sais, j'ai bien beau les regarder. C'est ça, faut vraiment que je les utilise pour que ça. Pour que j'aille. T'sais, pour que je l'apprenne, là. Bref. Fait que, t'sais, au fil du temps, je vais vraiment me familiariser avec tout ça, mais c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. En tout cas, c'est une belle première journée. C'est ça. Fait que quoi d'autre? Puis à la fin, ben dans le fond, elle m'a dit, ah ben on a un client qui possiblement aimerait faire genre une campagne ou tu sais de la pub sur Pinterest. Puis elle a dit, il y a personne vraiment de focalisé là-dedans. Fait qu'elle dit, ça te tente-tu de monter un document genre de formation de Pinterest? Fait que genre, ça c'est ma job, je suis payée pour faire ça, puis je fais ça dans mon temps libre. Fait que genre, c'est trop nice, fait que là c'est ça, je faisais les deux dernières heures, là, j'avais commencé à monter mon petit document, puis je vais le partager avec les filles, fait que c'est comme quand justement ça va venir le temps qu'il soit terminé, là, je devrais le terminer demain, mais je vais leur présenter ça, puis au moins on va tous avoir relativement les mêmes bases. Fait que c'est trop cool, je suis tellement contente. J'ai pas mangé tout mon lunch, à la grande surprise. J'ai pas mangé tout mon lunch, j'ai même pas mangé mon smoothie parce que j'avais faim, on était dans le meeting, on a fini à 11h30 puis on dînait à midi. Fait que j'étais comme ça, ça sert à rien, je vais juste le ramener pour demain matin. Mais oh my god, tu sais, sur une base régulière, quand je travaille à la maison, je mange pas plus qu'il faut. Parce qu'on dirait que je suis tellement concentrée à travailler que je peux ne pas prendre de pause avant genre 3-4h l'après-midi puis ne, tu sais, juste manger pour la première fois à cette heure-là. C'est très régulier que je fais ça. Je sais, c'est vraiment pas bon, mais c'est le même. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, tu sais, justement, de manger et le matin et une collation, à un moment donné, j'avais faim, je mangeais mes petits goldfish et de manger au dîner. Après le dîner, là, je m'endormais vraiment beaucoup. J'étais tellement fatiguée. Et là, j'étais comme, oh my god, comment je vais faire pour toffer genre les trois prochaines heures, là, j'étais comme, oh mon dieu. Puis il y avait une machine à café, mais elle était en bas, puis ça me faisait pas descendre, fait que j'étais comme, bon, regarde. Les prochaines journées, je pense que ce que je vais faire, je vais juste me faire genre un espresso ou un café latte froid. C'est avec des glaces style en silicone qui ne dilueront pas mon café, puis tu sais, traîner ça dans mes affaires. Fait que comme ça, je peux juste rester à mon bureau, boire mon petit café, puis tu sais, je vais m'habituer aussi, là, je me sentais mal, tu sais, de demander d'aller chercher du café, puis tout. Fait que, tu sais, les autres journées, j'imagine que ça me dérangera un petit peu moins, là. C'est vraiment juste le stress du début. Ah, c'est vrai, c'est la récup demain, il faut pas que j'oublie de mettre le bac. Fait que c'est ça, un petit résumé de la première journée. Là, il est 5h15 et j'arrive à la maison. Fait que ça, c'est cool, c'est vraiment proche. Je suis contente. Anto, il m'a texté une bonne partie de la journée. Là, il avait bien hâte que je compte tout ça. Mais tu sais, c'est sûr, j'étais avec tout le monde. Fait que
Je préférais attendre à ce soir. Fait que je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Overall, ça fut une belle première journée. Pour le dress code, je vous avais dit, j'étais vraiment comme, je savais vraiment pas dans quelle lignée m'en. Puis regarde, il y avait du monde qui était en short, en running shoe, puis en t-shirt, vraiment relax. Il y avait le boss qui était en chemise, puis en pantalon, genre that's it. Fait que, tu sais, je peux vraiment m'habiller comme je veux, ça c'est vraiment cool. Tu sais, une journée, ça te tente pas trop, là. J'aurais le droit de me mettre un coton-watté si je veux, là. On s'entend que j'aime ça, m'habiller, tu sais, un petit peu plus propre, un petit peu plus chic. Fait que c'est sûr que, tu sais, je risque de rester un petit peu comme ça. C'est mon genre, c'est mon style, là. Quand je travaille, c'est le même que j'aime m'habiller. Mais je trouve ça. Ça met comme ton esprit dans déjà un mindset de business. Je sais pas si ça fait du sens. Je sais pas si je dis ça à la personne de même, mais en tout cas. Fait que, oh mon Dieu, je suis fatiguée. Je suis tellement brûlée. Tu sais, c'est ça, le stress de la première journée. Ouais. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Là, ce soir, on est censé manger du barbecue. Mais il pleut à fond, fait que je sais pas. Je vais voir. Je vais rentrer là. Je vais aller voir en tout. J'ai quand même hâte d'y compter ma journée. Puis de lui parler de tout ça. Fait que voilà pour mon petit update de la première journée. Il me reste encore quelques prises à prendre. Mais. Oh wow. Tu demandais quoi de coloré là? Merci. Pour ma première journée. Regardez comment c'est cute! T'es allé me chercher un bouquet. Il est parfait, il est tellement beau. Wow! Bon, fait qu'on s'est fait un bon petit souper de chef. Anto nous a fait. Fait qu'on a acheté des contrefilets au Costco en début de semaine. Ben, hier. Fait que on va manger ça ce soir. Anto, il a parlé à un de ses amis là, qui est un expert dans la cuisson. Fait que il s'est acheté un thermomètre aujourd'hui puis tout pour nous faire une cuisson appropriée. Puis moi j'ai fait une plaque de légumes. Fait que j'ai mélangé des carottes, des piments, des oignons, zucchini, ce qu'on avait dans le réfrigérateur. Fait que ton petit verre de maroula. Puis moi j'ai mon petit verre de vin. On va ranger après avoir mangé. On va aller manger ça. Ouf! Bon! Fait qu'il est rendu. Pendant plus tard, je me suis mis en mou anticonfortable. Et puis, on a mangé. C'était super bon. Sérieux, Anto a acheté le thermomètre pour la nourriture aujourd'hui, pour la viande. Et c'est vraiment game changing. Fait que on avait toujours de la difficulté à faire cuire nos viandes, genre, tu sais, bien. Il était tout le temps trop cuite. Fait que c'est ça. Thermomètre, là. C'est vraiment un bon mot. Nous autres, je pense qu'il l'a acheté directement à Barbecue Québec, quelque chose comme ça. Un magasin spécialisé là-dedans, fait que je pense que c'est quand même un bon qu'il a acheté. Je connais absolument rien là-dedans. Mais de ce que le vendeur il a dit puis de ce qu'il a lu sur internet, c'est vraiment un bon modèle. Fait que ça, c'est super cool. Là, je suis en train de travailler un petit peu. On a eu des photos la semaine dernière pour un de nos clients. Et puis justement, je suis en train d'écrire un courriel pour lui remettre ça. Puis je me demandais si j'allais pas commencer un petit peu le montage de vlog. Tantôt, j'étais en grosse déprime. Parce que ça, tantôt, j'étais comme, ça va tellement être touché de jongler avec les vidéos, puis avec la compagnie, puis avec la job à temps plein, puis tout. J'ai l'impression de... Ah, oh, c'est ça, de genre... J'ai l'impression que mon contenu va être vraiment moins... Comment je dirais ça? Genre, moins le fun, juste en général, j'ai vraiment l'impression qu'il va être moins plaisant. On dirait que je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai pas envie de partager. On dirait que je sais pas qu'est-ce que vous avez envie de voir non plus. Fait que là, je suis comme... Ah, je me mets beaucoup de pression par rapport à ça, mais tu sais, j'aime ça faire des vidéos, j'ai pas envie... j'ai envie que ça continue à être le fun, c'est ça. J'ai pas envie que ce soit redondant puis que ce soit plate. Fait que j'ai envie de trouver une manière que justement ça reste entertaining un peu, même si mes journées vont se ressembler éventuellement quand même pas mal. Sauf la fin de semaine, mais tu sais, j'ai pas nécessairement envie de travailler 5 jours, devoir, tu sais, penser à du contenu la fin de semaine, toute la fin de semaine en plus. Fait que je sais pas, là. C'est une grosse période d'adaptation. Je pense que ça va être une grosse période d'adaptation. Je pense qu'il va juste falloir que je lâche prise un peu, là.
Je dis tout le temps ça et je ne fais jamais ça, mais là, j'aurais pas le choix. Fait que j'ai déjà préparé mon petit lunch pour demain. Quand je suis revenue à la maison, tantôt j'ai direct fait mon lunch, puis j'ai fait mon lunch en même temps, fait que j'ai pris juste des restants, exactement la même affaire que j'avais aujourd'hui parce que c'était parfait. Fait que des petits goldfish, des petits biscuits, mon petit macaroni, all set. Fait que tout ça est prêt pour demain. J'avais fait une coupe de outfit aussi hier pour la semaine, fait que ça c'est déjà fait. Fait que pour de vrai, à soir, c'est ça. Je voulais vraiment juste me focusser sur un petit peu de travail qu'il fallait que je remette, que je finisse aujourd'hui. Et puis ça va être pas mal ça. J'ai terminé mon travail à l'ordinateur, puis je pense vraiment aller me coucher quand même tôt. Je suis brûlée, je suis vraiment fatiguée. À matin je me suis levée en plus, puis je dormais tellement bien. Là tu sais quand t'es genre, tes couvertes sont en, tes draps là, sont encore frais puis froid, puis t'es trop bien, t'as pas envie de te lever, là c'est moi ce matin. Fait que là j'ai juste hâte de me recoucher puis que ça soit la même affaire. En espérant que ce soit la même affaire. Fait que je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé me suivre dans cette première journée de travail. Si vous commencez un nouvel emploi aussi, ben je vous envoie plein d'ondes positives. Ça va bien aller, faites-vous en pas. Fait que je vous embrasse, puis on va se voir très bientôt. Bye tout le monde!